Bonjour, bonjour vous. Bonsoir. On est en train de déjeuner. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais il fait beau, c'est pour ça qu'on déjeune dehors. Par contre, le petit vent là, hein, il est un petit peu. Comment? Gauthier est dans le bon sens. Oui, Gogé, elle se promène. Romy s'est réveillée à 8h ce matin pour le bibi. Donc elle a dormi 7 heures d'affilée. Ouais, parce qu'on lui a donné vers 1h. Et puis elle l'a pris à 8h, donc. Trop cool. Voilà. Sinon, bah, je suis déjà prête. Je vais répondre à la question tout de suite parce que je pense que je vais l'avoir dans les commentaires. La blouse sans manches, un petit Ikea. peu satin, rien à voir. Zara, Ikea, il m'a dit Oh. n'importe quoi. Chubby, N'importe pardon. quoi. Bref, allez, on déjeune. Ça, c'est trop cool. Et il y a les poules qui font du bruit Oh, elle par est contre. grave. Oh Le pauvre est ce là matin. là. Elles ont chaud. Ah, on n'est pas bien là. Il y a le petit vent quand même, il est un peu frais. Hein. Non, c'est bon, Ah on non, est non, il est trop tranquille. frais. Pour un mois d'août, faut pas abuser quand même. Je vais presque à J'avoue, pour sortir la mes saison, chaussettes, franchement. c'est fait. De quoi t'as mis les chaussettes toi? Oui. J'ai pas de chaussettes, je suis en short. Allez. Bon, je pense que je vous ferai régulièrement des petites tenues du jour dans le miroir là. Alors, excusez pour le bordel derrière, hein, mais The Real Life. Oh, la vraie vie, quoi. Mon accent pourri. Bon, alors, petit short qui est resserré au niveau de la taille. Alors, des fois, ça m'arrive de le porter avec un truc rentré, mais des fois, juste comme ça, vous voyez. Donc, c'est un Kiabi. Bah, par contre, c'est une très vieille collection. Hein. Je crois qu'il a 2-3 ans, mais je l'adore. Franchement, il sert pas trop et moi, j'aime bien être à l'aise dans mes shorts. Les Birkenstock, comme d'hab, blanches. Alors, j'ai pris les premières qui venaient. J'aurais pu mettre des noires. En fait, c'est pas ce qui manque, les Birkenstock à la maison, vous voyez. Donc, j'aurais très bien pu mettre les noirs. Je l'adore. Celles-là, je les adore. Mais d'ailleurs, je vais mettre celle-ci, tiens. Allez, hop, on va changer. Hop, il y en a partout, des Birkenstock. Regardez, là, vous avez les noirs, vous avez les dorés. C'est une blague. Vous avez les blanches. Ensuite, je pense qu'il doit en avoir vers les escaliers. Oh, bah oui, bien sûr. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Hop, voilà, des petites argentées, des petites noires. D'ailleurs, j'ai jeté les autres noires parce qu'elles étaient complètement défoncées. Franchement, quand il n'y a plus la semelle en dessous, faut pas les garder. Hein, donc, je les ai jetées. Et Doudou, je crois qu'il a les kakis aux pieds. Bref, donc je disais, la petite tenue du jour avec les Birkenstock double bride noire, le petit short qui vient de chez Kiabi. Je l'ai en taille 42 et parfait. Et le petit chemisier vient de chez Zara, comme je vous ai dit. Mais alors là, j'ai l'impression que ça ressort pas du tout la même couleur. C'est bizarre à la caméra, trop bizarre. Bref, donc voilà. Et mes petites boucles d'oreilles viennent de chez Shein. Shein. Voilà. En parlant de Shein. Faut que je vous montre une petite pépite là qu'on a reçue. Le colis. Pourquoi je ne tourne pas la caméra? Je vous parle en direct du miroir, c'est n'importe quoi. On a reçu une commande Shein. Je vais vous montrer. Il y a des petites pépites. Alors, il y a deux trucs. Non, ça va être renvoyé. Non, même pas deux trucs. Un truc. La robe, en fait, il y a une des robes, elle est très moche. Voilà, je le dis sincèrement, elle est très moche. Mais des fois, les photos, tu reçois le truc, tu te dis, mais c'est pas le même truc, c'est pas possible. Bah là, je sais pas, il y a eu un bug là. Mais il y a deux pépites. Alors, je vais vous montrer des petits chemisiers. Je me suis commandé des nuisettes pour la nuit. Hein. Je vais pas vous les montrer portées parce que franchement. Alors, elle est très très belle voilà, mais de dos, elle est très très belle. Pour Doudou, elle est très très belle. Mais en fait, je vais pas vous la montrer portée parce qu'elle est toute en dentelle dans le dos. Voilà, donc, voilà. Je vous montre beaucoup de choses, mais ça, voilà, pour votre bien-être et le mien, je vais pas vous montrer. J'ai pris un petit pyjama avec un haut nuisette comme ça, et le bas est trop trop beau. Je les adore, ces pyjamas. J'en ai déjà deux comme ça. Et le bas est trop trop beau. Petite nuisette encore avec pas mal de dentelle. Voilà, vous l'aurez compris, je me cherchais des nuisettes. Ça, c'est la robe moche. Enfin moche. Non, elle n'est pas moche, mais voilà quoi, ça fait. Non, ça va renvoyer. Mais par contre, petite pépite sur cette robe. Je vais vous la passer, je vais vous la montrer porter, c'est plus joli. Et ce chemisier cœur. J'enlève. Mon haut, je vous passe la chemise, je vous la montre, elle est trop belle. Et je vous montre également la petite robe à fleurs.
Trop magnifique aussi. Je me change. De ma commande, j'ai un cheveu, c'est ma préférée. Franchement, elle est magnifique. Je l'avais repérée depuis un certain temps. Il n'y avait plus ma taille. C'est du L que j'ai pris. Donc L, Chine, ça correspond à 42-44, je crois. Je crois que c'est ça. Il n'y avait plus ma taille. Et en fait, une fois elle est revenue en stock, je pense qu'il y a eu un retour. Et j'ai pu la commander. Je suis trop contente. Donc voilà la petite pépite, cette chemise avec des cœurs. Et les cœurs sont brodés. Attendez. J'ai vraiment du mal. Oh là là, mais j'ai du mal. Regardez, voilà, c'est brodé. Hop, magnifique. Rentrez dans le short. Elle est un petit peu... Alors, pour toutes celles qui cherchent des chemises un peu amples, franchement, non. Mais par contre, voilà, vous rentrez un petit peu dans le short et tout. Elle est trop, trop canon. Magnifique. Et je l'ai eu à moins de 10 euros. Parce que j'avais des codes, donc moins de 10 euros. Donc, parfait. Il y a la sangle de... Mais tu filmes vraiment n'importe comment, Bérangère, hein? J'adore. Sinon, la deuxième petite merveille de cette commande, les autres choses nuisettes, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Mais alors là, gros coup de cœur pour cette robe. Le motif est magnifique, je l'avais déjà repéré, je l'avais repéré en blouse. En blouse, il n'y avait pas ma taille, mais en robe, elle y était. Et franchement, elle est canon. Elle est trop belle. Je n'ai pas montré à Doudou d'ailleurs, je lui ai montré la chemise à petit cœur, mais je ne vais pas montrer cette robe. Au niveau de la longueur, attendez, mais je vous tourne, je ne vous montre rien là, je suis nulle. Oh, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc, attendez, je vous cache ça, là, parce que voilà. Au niveau de la robe, donc, la longueur, nickel. Au-dessus du genou, nickel. Resserré en dessous de la poitrine. Donc, ça fait un... Ça fait une belle poitrine, quoi. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer à Doudou. Qu'en penses-tu? Poil au cul. Alors, sans le poil au cul, je te répousse quand? Ah, oh, c'est mignon. T'entends ce qu'il dit, papa? Il veut me réépouser. Hein? Oui, mon petit chat qui a bu le bibi. Bah oui. Ça vient de boire son bibi. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, donc de la chemise à cœur, de cette robe-là. S'ils ne sont pas disponibles, je mets indisponible. Voilà, parce qu'il y a des fois, on ne retrouve pas le lien. Les nuisettes. Si vous voulez, vous verrez les photos sur Chine. Franchement, elles sont très très belles. Après, c'est sûr que vous n'allez pas mettre ça quand vous allez dormir chez vos beaux-parents, quoi. Mais quand vous êtes à la maison, voilà. Moi, généralement, je me mets souvent en nuisette après, quand dès que les filles sont couchées. Clairement, je ne vais pas me trimballer avec ça dans la maison quand les filles sont là. Voilà. Hein. C'est une nuisette pour montrer à votre amoureux, quoi. Hein. Bon. Donc, je vous mets les liens des deux nuisettes et également du pyjama. Voilà. Faites vérifier. Il y a toujours des codes sur Shein. Ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Là, comme je vous dis, la chemise à cœur, elle est tombée à moins de 10 euros avec... J'avais 30% sur tout mon panier. Donc, ça valait grave le coup. Et quand je l'ai revue en stock, j'ai pas trop traîné parce que ça, généralement, ça part très, trop, trop vite. Voilà, et sinon ils m'ont fait un petit cadeau, des pinceaux, mais franchement, quand je vois la tête des pinceaux, ça donne pas envie de se maquiller avec. Donc je pense que je vais les laisser à Cali, je vais les laver, je vais les laisser à Cali, puis elle jouera avec pour faire comme maman. Voilà, mais moi je les utiliserai pas parce que c'est pas des poils super comme les Real Techniques, vous voyez. Bref, allez, je vais ranger tout mon bordel, je vais aller voir si mes poules m'ont fait des œufs, et puis je vais vous montrer la chambre avec la lumière du jour de Cali. Elle est canon, je vous jure. Cette nuit, je me suis relevée deux fois pour voir la chambre, parce qu'elle me plaît trop, je la trouve trop trop belle. Et ce matin aussi, pareil, j'ai ouvert la porte et c'est fou parce que elle est canon, je l'adore. Aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper de la chambre d'Aria, on y croit. Je me remets mon petit chemisier vert. Je l'aime beaucoup cette robe. Je la mettrai certainement demain ou après-demain. Mais j'adore le motif. J'adore. Alors, petit tour au jardin avant d'aller voir les poules. J'ai une petite courgette à ramasser ici. Et regardez, regardez-moi ça, les aubergines, ça y est. Enfin. Et là, ça, voit, hein, ça se voit parce qu'elle commence à... Vous voyez, ça pèse. Mais trop contente. Donc là, il y en a trois sur cette branche-là. Il y en a une ici. Et on a toutes les aubergines comme ça, là, qui commencent à arriver. Donc, je suis ravie. Voilà. Elles ont mis un petit peu de temps, mais maintenant qu'elles sont... qu'elles sont là, elles sont là, quoi. C'est n'importe quoi. Et là, je vais en avoir d'autres, des petites vertes. Trop bien! Toulou, oh, trop bien, 4 œufs.
Nickel, merci les poupoules. Je vais laver vos crottes aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de crottes à laver là. On va laver les crottes. Ah, des œufs. T'imagines la tête qui voye quand on ouvre à chaque fois des œufs? Bon, je suis trop contente pour les œufs, mais c'est pas comme si j'en avais pas à revendre dans la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, on est parti pour 4 œufs en plus, c'est trop cool. Et j'avais autre chose à vous dire, je sais plus. Je vais peut-être bouger du poulailler parce que faut que je nettoie la crotte. Hein. Oh, petite assiette pour midi, alors salade verte en dessous, il y en a pas mal, hein. C'est une assiette creuse. J'ai mis des tomates, des œufs. Alors, je les ai fait cuire au Thermomix. Je voulais des mimolets, mais à mon avis, ils vont être trop cuits. Je vais couper, on va voir. Avocat. Et j'ai fait des petites tartines avec du pain qui nous restait d'hier. Je les fais griller. Et j'ai mis de la tartinade d'aubergine avec des pignons de pain. J'avais très envie de pignons de pain encore. Ne cherchez pas. Donc voilà. Et des oignons frais. Et puis, bah voilà. Alors là, c'est très très beau. On est d'accord ? Quand je vais couper et que je vais mettre la sauce salade, ça sera pas pareil. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, il y a une très très belle présentation et tout. Mais dès que je vais arriver avec mon couteau et ma fourchette... voilà, voilà. Ça y est, je vais pouvoir vous montrer enfin la chambre à la lumière du jour. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bah comme c'est pas mal, il y a pas mal de blanc, c'est très lumineux. Mais c'est exactement ce qu'on cherche, nous. Et puis voilà, je vais m'attaquer là, aux boîtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout étaler. Ici, là, au milieu, avec les boîtes ouvertes et tout, je vais mettre les couvercles de côté. Et je vais faire du trait. Je vais faire pareil avec les boîtes dans la chambre de Aria. L'idée, c'est de tout trier, parce que dans des boîtes, c'est tout mélangé. Donc, voilà, je vais tout trier. Dans la chambre de Romy, elle a également un trop fast avec des boîtes comme ça, transparentes. Mais elle, ça a déjà été trié, donc j'ai pas besoin d'y refaire. Et puis ça tombe très très bien parce que là actuellement il est en train de faire dodo, donc je vais pas aller m'amuser à faire du bruit dans sa chambre. Mais voilà, donc là je vais sortir toutes les boîtes dans la chambre de Cali, toutes les boîtes dans la chambre d'Aria et je trie. Voilà. J'avais autre chose à vous dire. Je me rappelle plus, j'ai envie d'éternuer. Je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai des œufs à passer. Je les ai tous sortis du truc là. Déjà, c'est pas très pratique. Parce que dès que tu poses un œuf qui vient d'être pondu, il est au-dessus. Mais il faut utiliser les plus anciens. Donc il faut aller dessous. C'est pas top, top. Mais bon, peut-être que j'arriverai à trouver un truc mieux. Bref. Et j'ai fait un gâteau roulé à la gelée de cassis. Je pense que je vais me prendre un petit morceau. Voilà. Parce que, en fait, j'adore faire des gâteaux au chocolat, mais je suis pas une grande fanat de chocolat. Donc là, je sais très bien que les gâteaux au chocolat que j'ai fait hier vont être mangés par Doudou. Mais moi, il me fallait un truc avec des fruits. Donc, je me suis fait un gâteau roulé au cassis. Je viens de découper un morceau. On est pas mal. On est pas mal niveau... Non, mais il est magnifique. Tu es magnifique. Il faut le dire, quand c'est réussi comme ça, il faut le dire. Et je sais très bien que le goût va être là, parce que c'est la recette de ma grand-mère qui l'a passée à ma mère, que ma mère m'a passée, que je passerai à mes enfants. Donc voilà, très très bon. Gâteau roulé avec une génoise faite. Allez, le gâteau a été fait en 15 minutes top chrono. Sans vous mentir, hein, 15 minutes. Il faudrait d'ailleurs que je vous filme la recette du gâteau roulé, parce que je peux vous la partager. C'est pas un secret de famille, pas du tout. Mais il est trop bon. Voilà, donc... Je vais le manger, parce que maintenant qu'il est coupé, si je le laisse, il va sécher, ce sera dommage. Doudou est en train de donner le bib à Romy, et puis après on va manger. J'ai fait des petites crudités pour ce soir, donc salade de tomates, oignons frais avec des concombres, et on va faire des brochettes de poulet au barbecue. En fait, j'ai trouvé ça à Inter, donc il y a une brochette poulet persillade, une brochette barbecue, et une brochette... pina colada, je crois que c'est ça, noix de coco, ananas. Je me suis dit, on va tester, on verra bien. Et avec ça, je vais faire des bananes plantain. Donc Doudou m'a sorti la friteuse. La dernière fois, je les avais fait au four. Là, je vais les faire à la friteuse pour voir, même si, bah, enfin pour voir. Je les avais fait à la friteuse air fryer. Et j'aimais bien le rendu, mais voilà, c'est meilleur à l'huile, clairement, on va pas se le cacher. Donc ce soir, ça sera à l'huile. On va manger ça avec les brochettes de poulet. Ça sera très très bien, voilà. Et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a du gâteau, il y a du pain, et puis ça ira très très bien. Je suis en train de décongeler du poulet pour faire un wrap.
Merci Doudou. Pour faire un wrap pour demain pour Doudou, puisque demain il va au sport et que généralement quand il sort du sport il mange rapidement sur le retour pour rattaquer le boulot derrière. Donc poulet c'est très très bien. Très très bien. Je vous rassure, c'est pas encore cuit, hein, mais je voulais vous montrer les petites brochettes. Donc barbecue, pina colada et persillade. C'est des bons gros morceaux de poulet, donc j'en ai pris qu'une, on se la partagera avec Doudou, ça ira très très bien. On va goûter ce que ça donne, et puis persillade c'est très simple à faire. Pina colada, elle m'a dit que dedans il y avait de la ciboulette, ananas et noix de coco. Voilà, donc je ne sais pas comment ils ont pris la noix de coco, parce que là je ne vois pas de morceaux de noix de coco. Alors peut-être qu'ils ont mis du jus de noix de coco, je ne sais pas, franchement je ne sais pas, ou du lait de coco. Ah, peut-être du lait de coco. Donc voilà, on va goûter et puis je pense que la prochaine fois je les referai à la maison. Parce que en soi c'est pas très compliqué quoi. Bon, ça y est, les brochettes sont cuites et les bananes plantains également. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que là niveau coloration on est pas mal. Les bananes plantains, soit vous mettez un petit peu de sel, soit vous mettez un petit peu de sucre. Ça c'est selon vos goûts. Et puis voilà. Petite salade de crudité avec ça et ça va être parfait. Je suis un petit peu fatiguée. Bon, on a couché Romy. Elle a pris son bibi à 8h15. Donc on verra à quelle heure elle est prochain. Et là, elle est couchée dans son lit. Nous, on va s'attaquer au miroir ici. Vous savez, c'est les miroirs que j'ai achetés à Maison du Monde. Comme ceci. Donc on a trois tailles différentes. On a un petit, un moyen et un grand. Voilà. Et donc on va les mettre ici. L'idée c'est que je ne sais pas comment on va les mettre. On va faire des tests pour pas se planter et tout. Mais voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Ça va être canon. Voilà. En 3 minutes top chrono. Les miroirs sont posés. Alors je vais essayer de reculer. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le plus gros là et ça rend plutôt pas mal. Avec la plante et tout, j'aime beaucoup. Voilà. Nous sommes actuellement dans la chambre de Cali. On vient de fixer des étagères. Je vais vous les montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça recommence les lumières dans les portes d'entrée. Ah ouais? Comme hier. Donc on a installé des étagères sur le côté du bureau pour pouvoir alors soit mettre des livres, soit mettre n'importe quoi, voilà. Et j'ai bougé également l'abécédaire, puisque l'abécédaire au départ était au-dessus du lit, enfin au-dessus du bureau mais au-dessus du lit, et donc je l'ai bougé pour le mettre à côté du bureau parce que je trouve ça plus logique. Voilà, c'est un abécédaire que j'avais fait sur Etsy je crois, par une illustratrice en aquarelle, je crois que c'est ça, aquarelle ou je sais pas, je sais plus trop en fait, je veux pas vous dire de bêtises. Si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais franchement sans grande conviction. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai bougé aussi un petit peu la guirlande boule parce qu'en fait elle était trop sur le bureau et ça me dérangeait. Après là je sais pas si je vais laisser ça comme ça, ça fait un peu trop guirlande de Noël là, non? Ça retombe comme ça là. J'avais pas vu. C'est moche. Ouais. Vous auriez vu la tête de Doudou. Ah, j'avais pas vu. Je vais trouver. Je vais planquer derrière le. Bref, si elle me saoule trop, je vais l'enlever. Si elle m'énerve trop. Enfin bref, donc voilà. Et puis on a remis une étagère au-dessus du lit. On a remis l'étagère au-dessus du lit pour mettre des livres. Voilà, parce que je sais que Kelly, elle adore regarder, tourner les pages, regarder les images et tout. Donc voilà, je vais lui mettre des livres et ça sera cool comme ça. Voilà, et là, Doudou est en train d'installer la caméra. Parce que comme on a changé la place du lit, il faut changer la place de la caméra. Voilà, et je pense qu'on va me poser la question. La caméra, c'est la lollipop. Bref, bon, je vais vous montrer les étagères de Cali, je vais vous montrer un petit peu les changements dans la chambre de Cali. Et après, je vais vous abandonner parce qu'il faut que je fasse le vlog. Et je vous filmerai demain ce qu'on a fait dans la chambre d'Aria. Voilà, à part si on va se coucher plus tôt, parce que moi, franchement, je suis fracasse. Et je crois que Doudou, c'est pareil. Non ?
Moi, je fracasse. Allez, je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on a rajouté deux petites étagères comme ça, qui sont les IKEA. Alors, je ne sais plus du tout le nom, mais en fait, vous trouvez ça au rayon... je ne sais plus le nom. Tu sais le nom ? T'as osé ? Tu sais le nom ? De quoi ? Le nom des étagères ? Non. Non, tu ne cherches pas en dessous. Ça commence par un S. Voilà, non. Ça commence par un S. Oui, ça commence par un S. Non, Moslanda. Il y a un S dedans. Donc voilà, Moslanda, elle s'appelle. Vous en avez en deux tailles. Donc celle-ci qui fait 1m15 et je pense que celle-ci doit faire 55. Je pense. Non ? Ouais, bon, bref. Donc. Ici, on a la bibliothèque. À côté, on a deux étagères. Alors, je vous dis, j'ai mis des livres. Mais on peut très bien mettre, c'est ce que je disais à Doudou, soit je mets des cadres genre A4 ou A3 comme celui-là. Mais celui-là, c'est trop grand. Parce que j'ai essayé de le poser dessus, c'est trop grand. Mais A3 ou A4, avec par exemple, je ne sais pas, les chiffres, les lettres, etc. Voilà, comme c'est le coin bureau, je pense que ça peut être pas mal. Mais là, pour le moment, j'ai mis des livres. Et puis, on verra avec Cali, ce qu'elle veut dessus. J'ai mis, comme je vous ai dit, l'abécédaire juste ici. Et au niveau de la guirlande boule, je l'ai un petit peu remis correctement. Parce que ça, c'était trop en bas. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait genre style un rideau, mais c'était très moche. Donc j'en ai planqué pas mal derrière. Voilà. Mais ça se voit pas. Voilà, voilà, pour tout ça. Donc pour le moment, écoutez, ça me plaît bien comme ça. Et sinon, ici, Doudou a mis une étagère pour, comme je vous ai dit, mettre des livres. Et dans demain, on a le ciel de lit qui arrive. Voilà. Donc je vais pouvoir lui remettre son ciel de lit qu'elle arrête pas de me réclamer. Pas plutôt que je fasse un Velux. Un Velux dans les combles, ouais. Non, parce qu'il y a les combles au-dessus. Enfin, les combles. Non, c'est de lumière. Oui, non, c'est pas des combles, c'est. Si, si. Oui, non, mais c'est pas des combles. Non, pas aménageables. Oui, voilà. C'est des combles laine de verre. Ou laine de roche. Donc là, Doudou va s'occuper des branchements parce que comme on a tourné pas mal la chambre, il faut rebrancher tout ça pour que ce soit opérationnel. Après, on a un petit peu de temps puisqu'on est mercredi et les filles rentrent dimanche. Mais bon, on part vendredi soir, donc on va pas s'amuser samedi soir à faire tout, tu vois. Et puis voilà, voilà, voilà. En tout cas, je suis ravie, c'est trop canon, j'adore. J'ai mis l'attrape-rêve ici, là, parce que là, il allait plus, là, en fait. Et franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Ce que je ferai, c'est que je vous remontrerai demain quand on aura fait tous les changements, là. Et puis voilà. Et on va vous faire des bisous et on va vous dire... À demain. Et Doudou, il est fracasse. Il faut que j'aille faire ton wrap. J'ai fait ton vlog. Oui. On échange. Non. Bon, tu peux te faire un wrap. T'exagères. Ouais, je vais me faire un petit vlog, s'il te plaît. Je vais lui faire son wrap. Ouais, faut que je fasse gaffe, je mange pas le vlog demain, parce que sinon c'est bizarre. Je fais son wrap. Non, je monte le vlog, je l'exporte et je fais son vlog. Et je fais son. T'exporte ton wrap. Et j'exporte mon wrap. Et je vais boire un coup, j'ai très soif. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Et est-ce que vous avez remarqué que cette robe, c'est pour faire les travaux? Je suis tellement à l'aise dedans. À l'aise blaise. À l'aise blaise. À demain.